Salut tout le monde, aujourd'hui je partage une découverte que j'ai faite alors que je me cherchais une lumière là, pour amener dans mes sorties de plein air comme le camping, la longue randonnée, une lumière qui pourrait complémenter la lampe frontale que j'utilise lors de ces sorties. Donc ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la lumière Luminade Lightpack Nova USB. Je présente ça à l'instant. Donc si on regarde sur le dessus de la lumière, ben, ce qu'on a ici, c'est la plaque solaire ici qui permet de recharger. On a notre sangle ici qui est ajustable. Trois différents endroits qu'on peut ajuster. On a notre port USB qui permet de charger. On a notre indicateur de charge et indicateur de recharge par le solaire aussi. On voit la petite lumière rouge ici, ça indique que présentement est en train de recharger. On a le bouton ici rouge qui permet d'activer les différents modes. Et sous la lumière ici, on a l'endroit qu'on permet de gonfler la lumière. Là, est en mode gonflé. Tantôt, je vais vous montrer comment qu'on active, comment qu'on peut le mettre en format compact pour le transport également, comment on peut ouvrir la lumière, la gonfler et l'utiliser. La lumière, ben, c'est une lumière étanche, waterproof. C'est une lumière qui peut même être submergée jusqu'à 1 mètre de profondeur selon les spécifications. Donc, c'est une lumière qu'on pourrait utiliser même sous la pluie, autour du camp lorsque c'est humide. Donc, une lumière qui va être pratique là, pour le genre de sortie que je veux faire. En plus d'être étanche à l'eau, elle permet de flotter. Étant donné que c'est gonflé, comme ça, on peut la mettre, par exemple, sur l'eau. S'il y en a qui ont des piscines, ben, ça pourrait être intéressant. C'est une lumière qui pourrait aussi être utilisée en mode d'urgence. Donc, si vous n'avez pas l'électricité à la maison, ben, c'est une lumière qui est vraiment pratique. Ça permet d'éclairer quand même une bonne surface. Selon les spécifications, ça dit que ça peut éclairer jusqu'à une surface de 125 pieds carrés. La lumière à l'intérieur de ça, au maximum, c'est 75 lumens. Il y a 5 modes d'intensité. Au plus fort mode, donc le mode turbo, la lumière va briller de 3 à 6 heures. À la plus basse intensité, c'est possible d'aller jusqu'à 24 heures. Et même en mode flash, tu peux faire briller la lumière jusqu'à 48 heures. Donc, vraiment performant en termes d'utilisation d'énergie. Voici la lumière dans le format compact, avec sa ganse, comme ça on peut voir qu'on pourrait l'attacher à son sac à dos, entre autres, pour le faire recharger la lumière pendant la journée, pendant qu'on fait de la randonnée. Donc le principe de la lumière, on a ici quelque chose de gonflé qui se ferme complètement. Là. Donc on détache pour pouvoir laisser l'air rentrer et on tourne tranquillement. Donc c'est vraiment, ça se remplit d'air. Et à la fin, on fait juste gonfler ce qui reste un peu, donner un coup ou deux à l'intérieur en soufflant. Et voilà, tu fermes ça. Et on a une lumière est prête à être usée. On a le lemon. Et le mode qui flash. Et une autre fois, et ça ferme. On est maintenant rendu à la partie où je donne mes premières impressions sur la lumière. Donc, je l'ai utilisé, moi, jusqu'à maintenant, là, dans mon chalet. Je l'ai utilisé alors que je faisais un camping d'hiver. Jusqu'à maintenant, la performance, je l'ai trouvée vraiment fantastique. En fait, je suis en train de même penser m'en acheter une deuxième. Il y en a une variation de celle-là qui se fait en couleur. Ça pourrait être intéressant là, pour mes vidéos. En fait, pour moi qui fais de la création de contenu, je me suis aperçu aussi que ça fait une belle lumière diffusée. Donc, quand on veut filmer à la noirceur autour du camp, ça, c'est vraiment génial. Puis le fait que c'est léger, bien, c'est parfait là, pour quelqu'un comme moi qui voyage avec la lumière. Donc, l'utilisation que j'ai fait, j'ai utilisé vraiment à la plus basse intensité, c'était suffisant pour moi. Donc, ça voudrait dire que je pourrais l'utiliser jusqu'à 24 heures de temps. Donc, ça veut dire si je fais un backpacking, par exemple, de longue randonnée sur 2, 3 jours, 4 jours, je pourrais même l'utiliser chaque soirée, sans être obligé de recharger par le port USB. Et même dans la journée, si je l'attache à mon sac à dos, ça pourrait recharger. J'imagine que ça ne recharge pas très, très rapidement, mais juste avec un peu de charge. Je crois la lumière en mode basse comme ça, là, ça c'est vraiment efficace en termes de gestion d'énergie. Donc, jusqu'à maintenant, moi, je suis vraiment satisfait de ça. Si c'est quelque chose, une lumière qui vous intéresse comme ça, ou vous voulez plus de détails sur la lumière, je vais mettre une description, je vais mettre dans la description de la vidéo un lien là, qui vous amène vers le produit en tant que tel. Donc, vous allez faire un tour. Pour moi, ça vaut vraiment la peine. Je suis vraiment heureux de cet achat-là. Je vais voir sur le long terme c'est quoi la durabilité, mais selon ce que j'ai vu comme revue un peu partout, c'est une lumière qui est vraiment appréciée, donc c'est une lumière que je vais sûrement utiliser longtemps et souvent.
passant, j'ai une liste de lecture sur ma chaîne YouTube où j'ai une série de vidéos où je présente des produits comme celui-ci. Je vous invite donc à aller faire un tour sur ma chaîne, naviguer. J'ai plus d'une centaine de vidéos sur ma chaîne. Si vous avez apprécié la vidéo aujourd'hui, je vous invite à me laisser un j'aime. Je vous invite à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux, Joe Explore plein air sur Facebook, Joe Explore sur Instagram. Et sur ça, je vous dis à une prochaine aventure!